m'avait dit que si on m'avait dit qu'un jour je dînerais avec Arnaud de sa mère. Et j'imagine que tu dois bien gagner ta vie, non, maintenant? Ah, c'est vrai qu'en 2 ans et demi, on ne demande qu'à en rire. Je lui ai pris pas mal de pognon à Catherine Barmard. Et... Tiens, d'ailleurs, ce soir, là, le dîner, je paye les desserts. Tu payes que ton plat. Oh, la classe. Je te remercie, ouais. Vous êtes Arnaud de sa mère. Alors ça, tu vois, Nicole, c'est devenu mon quotidien. Le succès. Vous voulez un autographe? Non, du coup, je voulais savoir si Jérémy et Ferrari étaient là, parce que j'adore ce qu'il fait. C'est pas... Ça te fait marrer? Vous annulez son dessert, c'est pas bon pour ce cas-là. Très bien, par contre, mon patron aimerait vous faire signer le livre d'or, si c'est possible. Ah. Bonsoir. J'aimerais interrompre ce sketch magnifiquement interprété... magnifiquement... Très drôle, hein, et magnifiquement interprété par moi-même, pour vous parler du livre d'or. Que doivent écrire les artistes dans un livre d'or? Alors, je n'avais pas forcément besoin d'un paperboard pour vous expliquer tout ceci, mais j'ai remarqué que vous étiez toujours un petit peu plus attentif à ce que je raconte quand il y a un paperboard à côté de moi. Alors, première règle déjà, et je rebondis sur ce que disait à l'instant Anne-Sophie, il n'est pas nécessaire de savoir écrire hein, pour écrire dans un livre d'or. J'en veux pour preuve ce message laissé récemment par Kev Adams dans un restaurant. J'ai bien mangé, c'était cool, lol, peace and love. Alors, petite remarque sur l'orthographe de peace qui, comme ceci, renvoie à des images pas très propres, au point qu'on se demande même comment s'est terminée cette fameuse soirée peace and love. Deuxième règle, ne pas chercher forcément à faire tout le temps de l'humour hein, dans un livre d'or. Vous serez forcément amené à faire des blagues que d'autres ont fait avant, dont la plus connue qui a été faite en 1812, rendez-vous compte, par un jeune comédien en début de carrière. Hein, si le livre d'or ne le réveillons pas, Jean-Luc Moreau... Voilà, on va éviter tous ces clichés. Alors après, il y a tout ce que vous pouvez écrire, même si vous n'êtes pas artiste ou connu, dans les hôtels. Le film porno sur la pay TV s'est déclenché par erreur, hein, ça vous pouvez le laisser dans le livre d'or. Ou alors, contrairement à ce qu'elle va raconter, la femme de chambre était consentante. Dans un restaurant également, vous avez comme formule « Merci à la belle et pulpeuse Claudia ». Alors ça, c'est une formule qui est réservée uniquement au restaurant où la patronne s'appelle Claudia, évidemment, et de préférence pulpeuse et belle, donc à éviter chez Marcel, à éviter chez Lulu, et à éviter chez le gynécologue. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a rarement un livre d'or dans une salle d'attente de gynécologue. Enfin, je dis ça, moi, j'y ai jamais mis les pieds, mais est-ce qu'on met vraiment les pieds chez un gynécologue? Et ça, c'est un débat que je laisse ouvert et qui n'est pas le nôtre ce soir. Si vous voulez faire preuve d'originalité, vous avez cette formule qui est assez originale. Le dîner était nul, on a bouffé de la merde, les chambres sont sales, moches et... dégueulasse! Le personnel, c'est que des cons et la patronne pue des ongles. Alors ça, effectivement, c'est un message qui est très original, mais un petit peu agressif, un petit peu risqué. Donc vous ne le signez pas et je vous conseille de mettre à la place la signature de quelqu'un, bah, par exemple, que vous n'aimez pas, que vous ne tenez pas dans votre cœur, quelqu'un vraiment que vous détestez, quelqu'un que vous voulez voir évidemment mourir dans un fossé avec plein de caca sur lui, vraiment quelqu'un qui vous inspire vraiment du dégoût, quelqu'un qui... Vous avez envie que, voilà, que ça passe, quoi.
Alors, je terminerai cet exposé très rapidement par quelques exemples de messages célèbres laissés par des gens dans des livres d'or. Je suis contente, c'est la première fois que j'ouvre un livre, Nabila. Dans les yeux, je vous le dis, c'est le meilleur repas de ma vie, Jérôme Cahuzac. Voilà, ce sont des exemples. Dommage, votre tarte aux pommes était à l'endroit, les sœurs Tatin. Bon, là, je remonte un petit peu loin. On en a d'autres. Mon cheval a adoré la viande, Henri IV. On a celui-ci. Corbeil les Bostillos, hein, Laurent Ruquier imitant Bourville. Et enfin, endroit charmant, bien qu'un peu sombre, Gilbert Montagnier. On a, juste pour conclure, on a le dernier que j'adore, qui pour moi est mon préféré, votre pizza au poivron champignon sur lit de jambon accompagné de cœur d'artichaut et olive noire est excellente, mais son nom est trop long, je vous propose pizza 4 saisons de Vivaldi. Voilà. Arnaud, on a des crampes. On a des crampes là. Pardon ? On a des crampes. Aïe, c'est compliqué ça. Hein. Ouais. Bon, ben on va finir le sketch. Ouais. Je vais me permettre de signer le livre d'or. Ah, bah c'est bien, Arnaud, de pas avoir prévu de stylo pour la fin du sketch. Oui, on va le signer. Hey. Quoi? L'absurde, hein. Faut pas te la faire, Manini, hein. C'était un plaisir de faire ce sketch avec vous. Arrosons-le avec un bon vin. Sur 20, bien sûr. Merci beaucoup. C'était Arnaud de Samer et c'était son 68e passage dans On ne demande qu'à en rire, avec la complicité bien sûr de Nicole Ferroni et de Monsieur Artus. Qu'écrire dans le livre d'or ? Bon bah c'est bien, là au moins on a un début de réponse et on a le choix. Arnaud, vous vouliez parler d'une association, je crois. Alors voilà, je voudrais parler d'une association qui s'appelle CSES. Ouais. Il faut que je me calme. C'est Cantine scolaire pour les enfants du Sahel. Ouais. C'est une association, voilà, dont le but est d'amener des cantines scolaires, donc dans le désert, au Niger notamment, pour permettre à la fois aux enfants d'accéder à des repas et également à l'école. Ouais. Voilà. Et à cette occasion, le 23 juin, il y a un tournoi de foot organisé au Canet, sur la Côte d'Azur, à la Palestre, organisé par Bruno Bellone, notamment, qui est parrain de l'association. Il y a plein de footballeurs, il y a Pires, il y a Roger Mia, il y en a plein. Précipitez-vous là-bas, allez voir le tournoi de foot. Il y a Mpokora, il y a des artistes également, c'est pour les enfants du Sahel. Et voilà, ça me tenait à cœur et je voulais en parler ce soir. Voilà. Ça s'appelle CSES. Bien. Et un gros bisou à sa présidente. Un gros bisou à sa présidente Nicole et à Bruno Bellone. Donc. Bien, voilà. Merci pour ce message qui est passé et entendu, je l'espère. Jean-Marie Bigard, votre note. J'ai plein. Ah ben voilà, j'ai pas aimé. Merci. Michel Bernier, 18. Anso, 19. Et Métayer, 18. Bon. C'est cool. Détendez-vous, calmez-vous. Oh là là, vous êtes agressif avec Métayer, c'est fou. Hein. Vous envolez avec un 18. Pourquoi 18 ? Ah là là. Parce que 18, je me laisse une marge. Je l'ai déjà vu avec des sketchs plus forts que ça. Ouais. Mais bon, j'étais tellement content de le voir que c'est, y a pas de problème. Ça m'a fait rire. Je me suis marré, mais je dis je me laisse une marge parce que sinon il y a plus rien. Quoi. Eh ouais, bien sûr. Michel Bernier, pareil. C'est pour ça que vous avez mis 18. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aimais beaucoup le début du sketch qui m'amusait. Je me suis rendu compte, Michel, en jouant, qu'il y avait un truc là qui se passait, mais vraiment, quoi. Oui. Et quand je t'ai vu arrêter le sketch, alors en mettant tes petits comédiens, tes camarades derrière un peu dans la difficulté, mais j'ai trouvé ça super drôle. Et après, évidemment, ils t'ont parlé, on n'est pas à remettre en question, c'est juste du bidouillage. C'est que sur le système du paperboard n'a pas été un peu long pour moi. Ouais. Et si tu veux, un peu de facilité, ça c'est normal, parce que voilà, quand on commence à prendre tout le temps les gens en people, tout le temps du name dropping, comme je dis, il y a un moment où on n'est plus surpris. Ouais. C'est je suis juste, entièrement d'accord. Voilà, les deux points que je t'ai pas mis, c'est juste ça. Ça n'enlève rien à ton talent. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Je voulais juste dire au public de Kev Adams,
qu'on est potes et que je l'ai appelé avant pour lui demander l'autorisation de faire ça. Et donc, il est au courant. En, et ça l'a fait marrer. Y a Nabila qui nous a envoyé un message. Je peux dire qu'elle ne sait pas lire, mais vous, vous avez fait une faute d'orthographe à son prénom. Ah bon? Il y avait deux L, ouais. Anne-Sophie à Paris 19. C'était parfait, évidemment. J'ai adoré, enfin, parfait moins un. T'as voulu populariser un peu plus, peut-être, ton sketch en donnant des noms. Alors, je sais que Michel aime pas trop. Mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est que c'est toujours du rire de qualité. Il nous a emmenés dans une piste. On est parti dans une c'est autre. Du rire de qualité. Et c'est, non, mais c'est vrai, c'est il une a qualité le label de rire. À Paris, oui, oui. Qualité requise et exigée. Non, mais voilà, c'est un rire intelligent. Enfin, je sais pas, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marie? Alors, ça te va pas? Non, rien. On va écouter Jean-Marie, il a mis 20. Lui, il aime rassemblement encore plus. Moi, je me demande justement, c'est un 18. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. J'ai vu Arnaud faire des trucs tellement forts, mais je mets justement 20 parce que Arnaud, voilà un gars qui vient nous revoir. Il y va. Moi, j'ai trouvé que la rupture, elle était extraordinaire. Ça, c'est génial. Après, les vannes, ouais. Les vannes, le paperboard, j'adore parce que c'est exactement ça. Et quand on regarde le livre d'or, on feuillette et puis on dit tiens, qu'est-ce qu'elle a dit, Mireille ouais. Mathieu et tout. On s'amuse à regarder les fautes d'orthographe. Moi, je m'amuse à regarder quand je passe derrière notre ami commun Laurent Baffy. Par exemple, des fois, l'autre jour, j'ouvre un livre d'or et je vois Laurent Baffy, c'était sur un resto, hein, il avait mis « Je m'ai bien régalé » et il a signé « Jean Dormesson ». Ouais, par exemple. Et, ça, c'est vachement drôle. Oui, et ben, oui. Et donc, il fallait trouver. Et il en a trouvé des sublimes, des superbes ouais. Et tout, le bonheur, le plaisir de voir Arnaud, tout. Donc, c'est 20 pour tout. Pour merci moi, c'est 20, c'est tout. 20 pour Bigard, des bonnes notes pour tout le monde. Alors on découvre le total de ces notes justement pour ce passage d'Arnaud de sa mère. On y va. 75 points. Merci. C'est la meilleure note du soir, d'autant plus qu'à ces 75 points, nous allons rajouter une bonne note, j'en suis sûr, de la part du public. C'est parti. Oh bah d'accord. Merci beaucoup. 94. 19 points supplémentaires offerts par notre public. Bravo Arnaud et merci encore d'avoir été avec nous. Il n'y a que des gagnants. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenus inédits, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ?